Depuis hier, sur l'île de Noirmoutier, un étrange ballet de tracteurs s'est mis en place. Un petit tour sur la balance pour commencer, puis direction la coopérative où sont stockées des centaines de tonnes de gros sel, le fruit du travail de plusieurs mois pour les sauniers de l'île. La production moyenne de Noirmoutier, de la coopérative, c'est 1700 tonnes annuelles. Cette année, on va être dans les 1700-1800 tonnes rentrées, dans les estimations, parce qu'après, on peut toujours se tromper. L'année dernière, on avait rentré 2700 tonnes. Donc le temps de colois va varier d'un tas de facteurs qui sont la météo, la quantité de sel rentrée, le nombre de colloyeurs, c'est-à-dire le nombre de tracteurs et de remorques disponibles, et le nombre de tas répartis en fin de compte sur le marais. Dans le marais, justement, l'heure n'est pas encore à la rigolade, même si l'ambiance est détendue. Tout ce sel qui repose depuis des semaines sur le tesselier doit être chargé vers son lieu de stockage pour l'hiver. Et vu le tonnage de chaque exploitation, un petit coup de main n'est jamais de trop. Les sauniers voisins viennent, on va chez eux. Voilà. Puis c'est un peu jour de fête, quoi. Parce que c'est la fin de la saison, on part sur un autre rythme, on va faire autre chose. Et puis voilà, c'est le salaire aussi qui est là. Mais tout dépendra de la blancheur du sel. Classé sélection du saunier ou sel naturel, le prix d'achat n'est évidemment pas le même. Plus qu'une tradition séculaire, le colois, c'est surtout l'heure de vérité. Après cela, les sauniers pourront s'accorder une petite trêve bien méritée avant une reprise au tout début du printemps pour la remise en état des marais, producteurs d'or blanc.